Bonjour, je vais vous enseigner la danse qui s'appelle Here We Go, donc une danse de Gary O'Reilly et Maggie Gallagher. Donc de niveau novice intermédiaire, 2 murs, 64 temps, elle a un tag et deux restarts. Donc on va les faire après tranquillement, donc on va d'abord la faire les pas et les comptes et ensuite en musique. Alors on va démarrer la danse, on appuie sur le pied gauche. Donc on va poser le pied droit à droite, on referme, on fait un shuffle avant droite. Suivi d'un rock step par mon gauche. Quart de tour sur la gauche et on part directement avec un chassé sur la gauche. La séquence d'après, on creuse pied droit devant pied gauche, poser pied gauche à gauche. On va faire un sailor step du pied droit, droite sailor. On creuse pied gauche devant pied droite. Quart de tour sur la gauche, on pose le pied droit derrière. Encore un quart de tour sur la gauche et on va faire un chassé sur la gauche. La séquence après, creuser pied droit devant pied gauche. Là, il y a une pause. Ensuite, on va faire inhale. Donc, on pose le pied gauche derrière. On finit sur le talon droit. Également une pause. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On creuse. Pied droit à droite. Et on va faire un sailor step avec un quart de tour sur la gauche. Ensuite, on va faire deux steps quart de tour sur la gauche. Pied droit devant quart de tour. On va céder des hanches pour faire un mouvement de bassin. Et on va finir avec un jazz box. Un jazz box. Donc on pose le pied gauche à côté du pied droit. Ensuite, on va faire des switches de touch and heel. Donc on touch, pointe droite à côté du pied gauche. Et on pose le pied droit derrière, on finit sur le talon gauche. Ensuite, on va ramener le pied gauche et on va finir sur le talon droit. Et là, il y a une pause. Et on va refaire touch and heel. Donc ça veut dire ramener pied droit, on touch du pied gauche, poser pied gauche derrière. On finit sur le talon droit, on ramène le pied droit, on finit sur le talon gauche. Ensuite, on va rassembler le pied gauche à côté du pied droit et on va faire un rock step avant droite et on va faire un triple demi-tour sur la droite. Triple demi-tour, suivi d'un rock step avant gauche et un triple demi-tour sur la gauche. On refait les séquences des touch and heel exactement identiques. Touch droite, et talon gauche, et talon droite, pause. On ramène le pied droit, touch gauche, et talon droite, et talon gauche, pause. Et ensuite, on va ramener le pied gauche, on va faire un side rock sur la droite, suivi d'un behind side cross, derrière, côté, croisé, side rock sur la gauche, et également un behind side cross. Donc là, on a terminé notre danse, on a les 64 temps. Je vais vous faire la danse en entier avec les comptes. 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, pause, et 3, pause, 4, et 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2 et 3, pause, et 5 et 6 et 7, pause, et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1 et 2 et 3, pause, et 5 et 6 et 7, pause, et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Fin du premier mur. Vous êtes justement à 6 heures, donc vous avez un tag. C'est simplement pied droit à droite, touch, pied gauche à gauche, touch. Donc simplement 1, 2, 3, 4. Donc fin du premier mur et ensuite vous recommencez votre danse. Voilà ce qu'il en est pour le tag. Maintenant les deux restarts. Le premier restart, il est au cinquième mur. Donc c'est le mur que vous allez commencer à midi et que vous allez vous retrouver à 6 heures, donc c'est après les 48 premiers comptes. Ça veut dire que vous allez faire l'enchaînement des touch and heel, and touch and heel, et rock step, triple demi-tour, rock step, triple demi-tour. Et le restart, il est là, on ouvre, on ferme, shuffle. Donc là, vous commencez votre sixième mur. Et le sixième mur, eh bien, c'est le mur aussi où il y a le deuxième restart. Et là, le deuxième restart, il est après les 32 premiers comptes. Ça veut dire que vous allez faire les deux steps quart de tour. Vous allez faire votre jazz box. Et c'est ici que vous avez le restart. Vous ne faites pas les touch and heel. Le restart, il est là. Donc, à midi, sur le sixième mur. Donc, voilà ce qu'il en est des deux restarts.
Et vous avez également un petit final, donc le septième mur, c'est vraiment juste après donc les deux murs de restart. Et vous allez faire un joli petit final, donc quand vous avez terminé votre danse side rock, behind side cross, et bien vous tournez simplement un demi-tour sur la droite pour vous retrouver sur le mur de midi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à pratiquer en musique, donc je vous signalerai les restarts et puis aussi je lèverai la main pour peut-être que ce soit plus clair. I'm not heading for the stars, driving down this boulevard.